Franchement, la scène est trop belle, quoi. Bon, là, ça va, il n'y en a qu'un seul. Après, il a peut-être 500 points de vie. Hein. Il met quand même 50 malgré les défenses. Ça dépend, par contre, suivant la lumière, ce sera peut-être pas top. Pas grave ça. Donc ça rapporte un peu, c'est tout ce qui compte. Bon ça va, c'est faisable. Oh du lait. Soin 115. Ce lait frais est tout droit sorti du pis de la vache. Le lait à la fraise, du lait auquel on a ajouté du sucre et des fraises fraîches. Et l'une des meilleures boissons lactées. Ouais. Bah quand tu vas à la coupole, faut pas demander un lait fraise. Hein. Sinon il va t'arriver des histoires. Hein. Mais en vrai, c'est un très très bon soin. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Kalan. Et orage bleu, ça reste intéressant. C'est un combo 2. Par contre, de virer un truc comme ça, ça peut être bien. Ah, je me noie à l'aide! Un enfant est en train de se noyer. Que veux-tu faire, Tox? Mets-lui un coup de bâton. Sauvons-le. Vite, je me noie. Blablabla. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Le monde a failli perdre un jeune génie. Que vouliez-vous, au fait? Vous cherchez les membres de la famille d'un certain Kuzman? Je suis son petit-fils. Il suffit que je signe et que j'aille chez lui. D'accord, donnez-moi l'arbre. Ah oui, mais... Mes laits se sont transformés en aïourt. Je dois écrire mon nom dans l'emplacement qui m'est réservé, c'est ça? Là? T'as tout compris, petit. Cet enfant malin est effronté et le portrait tout craché de sa mère. Rusta. C'est tout, n'est-ce pas? Je suis fatigué. Je vais me reposer un peu avant de rentrer. Et en fait, j'ai pas l'air d'aller pouvoir aller plus loin, il y a le nuage qui m'en empêche. Ah non, faut que je me balade dans le nuage. Oh, c'est la loose, ça, non? Non, je peux pas... Ah, d'accord. Je viens de comprendre le décor. Autant pour moi. Je crois que c'est pas périssable. Le lait? Ce sera abusé, si c'est le cas. Il était à deux doigts de se noyer. Pas si génie que ça, effectivement. C'est un génie qui sait pas nager. J'ai pas vu leurs éléments tout à l'heure à cela. Ça c'est le vent en dernier, 42. Ouais, donc il faut pas que je fasse de vent, enfin, c'est pas le mieux on va dire. Ça c'est quoi ça? Ce chapeau ressemble vaguement à une toque de cuisinier. Avec une petite pointe à l'avant, ok. C'est pour Sheila. D'où il sort ce raisin là? Ah oui, c'est celui que j'ai échangé. Autant pour moi. Hop là! Ouais, c'est mieux qu'un Dev 12 quand même, hein. C'est le double. Ah. Ah, mais c'est quoi cet endroit, sérieux? Putain, mais y'en a combien qui se noient là? C'est quoi cet endroit, franchement? Loups, à l'aide, à l'aide!
Un enfant est en train de se noyer. Que vas-tu faire, Tox? Sauvons-le. Vite, je me noie. Loup. Merci, le monde a bien failli perdre un garçon brillant. Que vouliez-vous, au fait? Ah, vous cherchez les parents proches d'un certain Kuzman? Je suis son petit-fils, alors je vais signer l'arbre. Et voilà. Ouais. Il n'est pas moins rusé que son frère aîné, mais il cherche toujours à faire mieux que lui. À mieux faire que lui. Et voilà, je suis épuisé, je vais rester un peu ici avant de me rendre chez grand-père. Ah d'accord, on est au bout en fait. On peut pas avancer davantage. Est-ce qu'il y a un passage caché là-dessous? Non mais franchement, les nuages sont très bien faits. Enfin, cette fumée quoi. On peut dire nuages, je pense. Attends, il n'y aurait pas un coffre là? Comment j'ai pu louper ça? Avec mes yeux de voleur. Ouais, je viens de le voir, Nanato. En fait, le nuage s'est un petit peu estompé, c'est à ce moment-là que j'ai pu le voir. Y'a pas de chemin à gauche? Apparemment, je peux pas aller à gauche. Bon. En fait, il y avait que ça ici, c'est très bien. Y'a un Gugus là-haut, je sais pas qui c'est lui. Cap nocturne. Ouais, c'est pour qui en vrai? C'est pour elle. Def 33, ténèbres. Allez-y. Les cartes sont quand même vraiment bien réussi parce que au premier coup d'œil on peut savoir quel est le type, tout ça. Franchement les icônes sont bien réalisées, tout ça. Ah, mange bien ces grenouilles là. On dirait le ventre d'ail. Ça devrait suffire. Ok. En réalité, le meilleur soin que j'ai trouvé là, c'est le miel. Il ne périme pas. Ouais, c'est ce que je viens de dire, attends, le miel. T'avais compris quoi? J'ai pas dit le miel? Parce que des fois, je suis persuadé d'avoir dit un truc et en fait, pas du tout. Et dans ma tête, je l'ai dit, hein. J'ai dit lait? T'es sûr de toi? Harder!
On va éviter les bananes mûres. J'ai entendu miel. Il me semble bien avoir dit miel, quand même. Je sais que j'ai pas la forme ce soir, mais quand même. Nanatoro, il a du miel dans les oreilles. Ah ça c'est des tortues, j'avais pas vu leur petite carapace derrière. Ça m'a rien fait cette fois. Je me suis gouré de cible. Oh zut. Je voulais soigner Kialas, mais j'ai soigné Sheila. Bon, c'est pas très grave, elle était pas full non plus, mais... même. C'est des kappas, ouais. Un monstre du folklore japonais. La première fois que j'en ai vu, c'était... dans une BD des Tortues Ninja, une version, enfin c'était un comics où ils étaient chez les samouraïs, je sais plus trop pourquoi, ils se sont retrouvés dans un portail ou je ne sais trop quoi. Et les samouraïs ils les appelaient les kappas. Je dois toujours l'avoir quelque part d'ailleurs. Et l'autre fois où j'ai vu ce mot, c'est dans un animé qui s'appelle Cars, qui est très bien et je vous le conseille, je crois que c'est des OAV ou des OAD, il n'y en a pas beaucoup. Et l'animation est juste complètement dingue. Deux raisins, mais c'est merveilleux ça. D'ailleurs, ils ont pas périmé mes raisins. Pas encore, je crois pas. Ça se trouve si, mais je m'en suis pas rendu compte encore. Alors elle a deux bananes, deux miel. On va mettre un raisin. On va virer une eau aussi. J'ai failli me faire avoir. Est-ce qu'on va pas faire du surf sur la tête du monstre? On va essayer. Ou alors faut la placer justement à l'endroit où il y avait de la flotte. No mercy. Light flare. Fire first. Fire first. Harder. C'est pas juste pourquoi c'est lui qui attaque avant. Ça devrait être moi.
dommage. Fear the winds of darkness. Sword style, shadow wing. Pretty. Et encore un raisin. Ça c'est bien, je pense, d'en avoir une petite réserve. Même si ça bouge. C'est la tête du poisson foudre. Est-ce qu'elle a flotté jusqu'ici? Laissons son corps dériver. Là. Ah ouais, pour un coffre, en fait, il va falloir que j'intervienne dessus plusieurs fois. We can win this if we fight together. Fire first! Fire first! Dark flare! Sont horribles leurs attaques de feu, d'eau. Justement, j'ai pas de défense de feu, pas tellement. Parce qu'en gros, là, ils me mettent 50 systématiquement. Ça sert même à rien que je fasse ça. Autant garder mes attaques. Here, say cheese. Même avec le moins 50, ça va. Ça fait des bobos. Think you can win? What a hoop! I pity you for fucking. Tu peux avoir des photos rares de tes personnages qui se revendent plus cher. Ah ouais? C'est pas mal ça. Alors, soignons. Vas-y, calasse un peu. Je vais mettre les deux parce que je pense que j'aurai pas le temps de le placer le deuxième. Et de toute façon, il manque pas mal. Ah bah si, voilà. J'aurais peut-être dû le finir l'autre quand même. C'est pas grave. Prend vraiment vraiment trop cher lui ici. Je l'avais pas vu ça encore. Light, prepare to die. Magic, spark of light.
Et voilà le travail. Bon, c'était sûr, hein. Voyons voir ce que cache le coffre. Statue de Héron. Sheila doit posséder ce Magnus pour passer à la classe 3. Merveilleux. Et comment ça se passe si t'en rates un en fait? Ça doit être très embêtant, je présume. Est-ce qu'on retourne à Nashira? Bah oui. Oula, il y a l'Empire. Bah tu changes pas de classe, ton perso est pas terrible. Ah ouais, donc faut pas rater de coffre quoi. Something's not right here. Imperial soldiers. Hey, what's going on? You're all villagers, right? Get back to the village on the double. You talking to me? Easy there, kid. Let's just do what they say. No one is allowed to enter or leave this premises. Just do as you're told, and things will go fine. Ok, ça me va. Alors, on a une constellation. Allez, donne-moi mon cadeau. Recette secrète 2. Ça dit quoi celui-là? Commençons par quelque chose de simple. Comment préparer un bon riz? Trouvez une casserole, mettez-y le riz, ajoutez de l'eau. Mettez le tout sur le feu. Ok. Pas sûr de comprendre ces trucs là. Est-ce que c'est pour des combos surpuissants? Ah oui, quand même 3 niveaux. Ah, je suis passé à 5 cartes en main. Et la pioche a naturellement augmenté. J'ai pas trouvé d'objet de classe pour Guy Barry, par contre, je crois. Ok. C'est déjà pas mal tout ça. Alors évidemment, il va falloir qu'on mette des choses. Ça sert à créer des Magnus, ce sont les combos SP, c'est compliqué. Ouais. Tu m'y intéresseras un peu plus tard. On va mettre de ça. Est-ce qu'on met plus de soins ou pas?
peut-être un soin supplémentaire parce que avec une pioche à 30, bah les soins ils vont se faire plus rares, forcément. En tout cas, statistiquement. En avoir deux, ouais, bof. Je dirais utiliser le Magnus, feu, eau, riz plus casserole. C'est ce que je pensais aussi, mais... riz et casserole. En fait, c'est ça qui me bloque. Ah oui, je peux pas, c'est vrai. Et effectivement, ouais, il dit casserole, j'en ai pas, machin truc. Bah, trouve un truc équivalent. Ouais, casque, feu, eau plus riz. Vu qu'il y a bien un Magnus riz. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais aller au magasin voir les photos. Putain, mais ils font peur les PNJ dans les shops. On va reposer nos ailes. Donc je pense à le faire, ça. Alors, acheter. Ah tiens, il y a de nouveau du miel. Je vais peut-être le prendre. Sauf que j'ai pas beaucoup de sous, il faut d'abord que je me débarrasse de mes photos. Ça, j'aurais dû les prendre, ça m'aurait aidé, en fait. Des épées de feu, je crois que j'en ai pas beaucoup. En fait, quand on arrive dans une zone, il faut tout de suite comprendre les éléments qu'on nous balance dans cette zone. Mais voyons voir. Alors, les photos... 5250. J'ai l'impression que c'était déjà ce prix-là. À mon avis, j'en tirerai pas plus. $63, c'est le prix qu'il y a habituellement là-dessus aussi. Oh! Les pulpuck, là, ça vaut des sous, hein. J'en ai pris qu'une seule. Putain, j'ai l'impression d'avoir fait des photos dans tous les sens. Ou j'ai oublié de les prendre. J'ai mal looté les objets? Non, quand on confirme les loots, on récupère tout, non? Ou on choisit? Je sais plus. Je me suis peut-être gouré, en fait. Bon, je vais attendre encore un petit peu. 5250. Il faudrait que je le note, en fait. Après, il y a quoi d'autre? Je pense que celle de Kala, celle au max, parce que c'était à peu près ce tarif-là déjà. Et le poisson foudre en 1827. Ouais, il faut en choisir une dans la case de gauche. Mais quelqu'un m'avait fait la remarque justement en commentaire comme quoi je prenais pas systématiquement les photos. J'avais pas compris ça comme ça, effectivement. C'est vrai que j'ai tendance des fois à prendre... Enfin, à juste valider, je me pose pas la question. Je ferai plus attention désormais. Parce qu'effectivement, des photos, j'en ai pris beaucoup plus que ce que j'ai là. La crue de la rivière, une pêche misérable, et maintenant l'Empire qui débarque. Trop, c'est trop. Après, ça va, je suis pas en déj de thunes pour le moment. J'ai à peu près pour 8000 en carte. En photo. Ouais, la case de droite, c'est les loot auto, ça j'avais bien compris. Alors on va peut-être aller dans le bar, je sais pas.
What on earth is happening here, Reblis? Don't know. They just came out of nowhere. Are they after us? That can't be. Why would they go to such lengths just to catch the two of us? Wait a minute. You're wanted by the Empire? Well, we're just, you know. Never mind. I suppose it's better not to know. Besides, they can't be looking for you. What makes you say that? Some of us saw another squadron of soldiers flying towards the castle. It looked much larger than the squadron we have here. Whatever they're looking for, it must be at the castle. I have a bad feeling about this. What sort of trouble could they be trying to start? It's already started. Geldablame's ambitions are ravaging the world. Anyway, I'm going to the castle. Shella, you're coming too, right? Of course. Let's hurry. Hold on there. You can count me in too. Don't feel like losing sleep over what happens to you two. But... No buts about it. I promised to take you to the castle, remember? Besides, I'm itching to find out what the Empire's up to. Getting there might be a problem, though. They're watching the harbor. It won't be easy getting to my boat. We'll walk then. Now that the Lesser Celestial River has calmed down, the road to the castle should be open. True. But how do you plan on leaving the village? They've got the exits guarded. They won't exactly usher us out with a smile and a handshake, you know. A while back, Anna told me, there's a secret passage somewhere in this bar. I guess they dug it for emergencies. She never told me exactly where the entrance is, though. You'll have to ask her yourself. Where is Anna, anyway? Well, you see, I kinda lost track of her. Kinda lost track of her? So much for counting on you to look after her, huh? Sorry. Never mind. Let's go find her. Callus, Shella, you two come with me. Ouais, Anna, c'était celle qui était derrière le comptoir, hein, me semble-t-il. Que les affaires mondiales soient bonnes ou mauvaises, c'est du pari au même. Comment déclarer ma flamme à celle que j'aime? Oh, je manque de confiance en moi. Ah oui, il fallait un truc pour lui. Vous ne trouvez pas Anna? Je ne sais pas non plus où elle est. Comment le saurais-je? Les impériaux n'ont pas la vie facile, ils ont fait un long voyage pour venir au village. Et eux aussi, ils ont une famille à nourrir. La vie est vraiment dure pour tout le monde. J'ai entendu les soldats impériaux dire que la petite rivière céleste était rentrée dans son lit. La rivière a retrouvé son cours. Tu as quelque chose à voir là-dedans, n'est-ce pas, Gibari? Parfois, mieux vaut ignorer ses coutumes. En tout cas, merci. C'est quoi tout ce bruit? Qu'est-il arrivé au chevalier? Et au roi la décane. Alors c'est vrai que les impériaux ne sont que des chiens. Les anciens avaient raison. Anna m'a dit qu'elle allait chercher des provisions à l'entrepôt. C'était juste avant que vous ne reveniez. Personne ne peut quitter le village, les habitants passent donc leur journée à boire. Les catastrophes naturelles sont terrifiantes. Mais l'Empire aussi, nous l'avons appris à nos dépens. Quelle catastrophe! Nous sommes tous coincés au village. Enfin, maintenant que j'y pense, je ne quitte jamais la taverne, alors ça ne change rien pour moi. Mais j'espère que ces soldats vont bientôt quitter la ville. Ce n'est pas avec des cannes et des hameçons que nous pourrons nous défendre contre eux. Tu donnes pas sa chance au produit. Vous avez vu le regard glacé des soldats impériaux?
La méchanceté humaine est bien plus effrayante que les sursauts imprévisibles de la nature. J'ai du mal à trouver le sommeil depuis que j'ai vu ces soldats. Je ne peux pas m'empêcher de boire, c'est plus fort que moi. Ça s'appelle de l'alcoolisme. On va reparler tout le monde, à tout le monde en mode rapidos là. Ok, oui, il y a un nouveau truc. Genre un objet à donner. Histoire. Il y a eu du remue-ménage dehors, l'Empire a dû passer à l'action. Restons sur nos gardes. Eh ben non. La nation des chevaliers? Mon œil, oui. Diadème est plutôt la nation des lâches. Vu la situation, l'unité qui est partie pour Sheliak ne devrait avoir aucun mal à faire le boulot. Mmh. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils ont dit l'entrepôt. C'était quand on est arrivé en ville. Cessez de déambuler dans les rues et rentrez chez vous. Tu y veux? Et vous, pourquoi hurlez-vous sur cette pauvre enfant? Allez, lâchez-la, vous lui faites mal. Vous êtes des moins que rien, vous n'avez pas le droit de nous parler sur ce ton. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Mais oui, c'est ça. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Les habitants de Diadème n'abandonnent jamais sans d'abord se battre. Espèce de gueuse, va. Si nous n'avions pas reçu ordre de ne pas toucher à la population, je t'aurais réduit en charpie. Même si vous me tuez, vous n'obtiendrez jamais le cœur de l'âme de mon peuple et l'âme de mon peuple, compris? Tu changeras bientôt d'avis et tu regretteras ce que tu viens de dire. Allons-y. Hey, it's you two. And Gibari. You okay, Anna? They didn't hurt you anything, did they? I'm just fine. I just came over here to pick up some booze. We were running low. Why would I be hurt? Well, we heard some shouting, so... Oh, it's nothing. Those Imperial soldiers are so arrogant. I just had a little talk with them. Nope, what happened to you guys? Couldn't get to the castle? Nope. When we came back from the river, this place was crawling with soldiers. They won't let us leave the village. We heard there's a secret passage in the pub, so we wanted to find you and ask about it. I see. If that's what you need, I'm the one to help you. Thanks, Anna. Thank you so much. No problem. I'll go back and open it up for you. Meet me back at the pub when you're ready to leave, okay? Got it. Oula. Un soldat m'a crié dessus, il est interdit de jouer ici, a-t-il hurlé. Il m'a fait tellement peur que j'ai failli fondre en larmes, mais Tantana est venue à la rescousse. Quel brave Tantana. Bon, y'a rien de neuf, semblerait-il. Ça y est, ça s'est transformé en fromage de vachon. Est-ce que ça peut aller au-delà? Il va pourrir.
Elle était devant moi. Here's the entrance. Thanks, Anna. Reblis, watch over the village, okay? Relax, Kibari. We'll manage here. I'm more worried about what's going on at the city. Be careful. En fait, je voulais voir un autre truc. Maintenant que j'ai déambulé un petit peu, je voulais voir le prix des photos si ça avait bougé. Ça n'a pas bougé. Ça non plus. Rien n'a bougé. Est-ce qu'on peut partir du principe où ça y est, c'est bon? Est-ce que j'ai des choses à acheter seulement? Celle-ci, je peux la vendre. Celle-ci a augmenté un petit peu, 70. Je crois qu'elle était à 25, un truc comme ça. Et on voit clairement qu'elle a changé. Par contre, celle-ci, j'ai dû faire une attaque de lumière, je pense, avant. Et celle-ci aussi, peut-être. C'est pour ça qu'elle est... Enfin, qu'elle bouge pas et qu'elle est toujours aussi claire. Je présume. J'ai rien besoin d'acheter d'autre pour le moment. Les soins, j'en ai déjà beaucoup, donc acheter ces miels supplémentaires, c'est peut-être pas nécessaire. Enfin, j'estime avoir suffisamment de soins. Ouais, des feux 2 et O2, ouais. Mais bon, là j'ai... Enfin, si je pourrais vendre la photo pour en avoir plus. Mais ça va, elle a déjà ce qu'il faut, tu vois, elle. Enfin, ça va. Ça va. Mais son rôle, c'est aussi de soigner, donc... Alors, lui. Il a plus tellement de... d'armure, en fait. Hein. Combien j'ai de soins? J'en ai beaucoup aussi, non? Faire comme ça pour le moment, on verra.